Europe 1, 8h14. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Le vrai faux de l'info, Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Bruce. Alors votre détecteur de mensonges aujourd'hui se promène sur les statistiques du chômage. Oui, parce qu'entre François Hollande qui ne voit pas d'éclaircie avant 2014 et puis bien sûr les chiffres annoncés hier, l'opposition de droite s'en donne à cœur joie. Écoutez par exemple l'UMP Xavier Bertrand, c'est l'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy. 10 mois après l'arrivée de la gauche, il dit qu'il est temps de faire des comparaisons. Attendez, en matière de chômage, personne ne doit faire le malin. J'étais ministre du Travail, je sais combien c'est difficile. Aujourd'hui, le chômage augmente 2 fois plus vite qu'il n'augmentait sous Nicolas Sarkozy. Le chômage grimpe 2 fois plus vite sous François Hollande que sous Nicolas Sarkozy. Vrai ou faux ? C'est vrai. J'ai sous les yeux les chiffres du chômage mois par mois depuis 2007 et j'ai donc pu calculer l'augmentation du chômage sous les 5 ans de Sarkozy et l'augmentation du chômage sous les 10 mois de François Hollande. Il s'agit des chiffres du ministère de l'Emploi qui sont diffusés chaque mois. Et j'ai extrait de ces chiffres les chômeurs de catégorie A, il faut être précis, c'est-à-dire les chômeurs qui n'ont pas exercé une seule activité partielle. Entre mai 2007 et avril 2012, donc le quinquennat Sarkozy, il y a eu 751 000 chômeurs de plus. J'ai fait la moyenne par mois tout simplement en divisant, ça fait plus 12 500 chômeurs par mois. Entre mai 2012 et décembre 2012, c'est-à-dire le quinquennat Hollande, on a déjà enregistré 211 000 chômeurs de plus, ça donne 26 000 chômeurs de plus par mois. Xavier Bertrand a donc raison quand il dit que le chômage augmente 2 fois plus vite que sous Sarkozy. 26 000 d'un côté, 12 500 de l'autre. C'est même un tout petit peu plus que 2 fois plus. Alors, pourtant, on a le souvenir d'un chômage qui s'était brutalement aggravé avec la crise en 2008. Et là, Nicolas Sarkozy était président. Oui, entre le printemps 2008 et le printemps 2009, le chômage a littéralement explosé. D'ailleurs, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach s'en souvient. On était à l'époque à plus 40 000 chômeurs par mois en moyenne. Encore pire que ce qui a été annoncé hier soir sur le mois de janvier 2013. Mais avant et après cette période, le chômage a grimpé moins vite. D'où la phrase de Monsieur Bertrand, qui ne veut pas faire le malin, mais qui brandit ce bilan de Sarkozy, moins mauvais que le bilan Hollande pour l'instant. Merci beaucoup Laurent Guimier.